Oregon ne joue pas bien au basket, mais on ne parvient pas à jouer mieux qu'elle. Et en tout cas, l'expérience au lancer franc fait que, bah, que c'est elle qui, dans le Money Time, passe au-dessus. Julie Van Loo fait 8 sur 8 au lancer franc, elle ne fait pas grand-chose d'autre. Et nous, c'est très faible au niveau du pourcentage, mais je m'étonne quand même que chaque semaine, enfin, j'imagine que les arbitres nous diront qu'on joue trop en défense avec nos bras, mais on donne encore 34 lancers francs à l'adversaire, quoi. Sur un score de 60-65, 34 fois un point, c'est difficile, hein. Qu'est-ce qu'il a manqué sinon au niveau de Monceau? Un peu d'agressivité aussi en début de rencontre? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit à la mi-temps, c'est qu'on devait hausser notre cran, d'un cran notre défense au niveau de la volonté et de l'intensité, parce que la volonté était plus chez elle. Et en attaque, on était un peu bloqué, inhibé par leur défense qui anticipait nos mouvements. Bon, c'était un bon travail de scouting, mais elles l'ont mieux fait en deuxième mi-temps en essayant de varier un peu les manières de jouer par rapport à l'adversaire et de ne pas faire, comment dire, d'appliquer les systèmes stupidement, mais de les faire un peu plus en lisant le jeu. Je pense qu'elles l'ont mieux fait en deuxième mi-temps. Comment vous voyez l'évolution de Monceau? Il y a Fanny Vanhoenstein qui manque un peu, il y a Julia Hoon qui s'intègre un petit peu. Comment vous voyez l'évolution pour l'instant? Fanny Vanhoenstein, c'est qui ça? Elle a joué un match avec nous, deux matchs avec nous. Donc on joue sans Fanny, on jouera sans Fanny. Donc voilà. Et l'intégration de Julia, ben, ça va. Au niveau de l'intégration, il n'y a pas de souci. Maintenant, elle a quand même des points faibles qui sont souvent exploités par l'adversaire. Et ça nous pose quand même un petit peu problème. L'évolution, ben, ça nous fait 4 victoires, 6 défaites maintenant. Ça fait 2 ans que je suis là, ça fait 2 ans qu'on est à 66% de victoires par rapport aux défaites. Ici, on est en inverse. Donc c'est difficile. Qu'est-ce qu'il faudrait corriger? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Ben, je pense qu'on ne parvient pas à avoir des joueuses qui font des pourcentages de shots acceptables. Le match qu'on a joué à War Game, on joue avec un gros cœur, beaucoup de volonté. Mais là aussi, hein, on a des balles de match qu'on rate. Et après, c'est difficile à gérer mentalement. Ouais, voilà. On sait que nos faux pas à Willowbrook et la défaite contre Talon chez nous vendredi vont être des matchs difficiles à récupérer. Moi, ce que je veux retenir aujourd'hui, c'est pas nécessairement la victoire, même si ça fait très plaisir, c'est que les filles se sont accrochées. Je leur ai dit, elles m'ont pas laissé tomber. Moi, je vais jamais lâcher. Je vais jamais lâcher. J'ai préparé le match avec beaucoup, beaucoup de sérieux et d'envie. On a corrigé les petits points qu'on n'avait pas réussi à corriger au match aller. On a retrouvé un petit peu de velléité offensive. Et je pense que pour le moral des troupes, c'est hyper important. Maintenant, on a 2 jours, exprimons en quart. On sait qu'on peut peut-être déjà perdre la finale, un accès à la finale de Coupe de Belgique mercredi. Donc on va se reconcentrer, se reposer. Parce qu'encore une fois, on a vraiment des situations un peu compliquées. Avec maintenant Strupp sur la touche, Léo toujours pas là, Julie qui a besoin de temps après sa pneumonie. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment une équipe qui n'a rien lâché. Des filles qui en voulaient, un état d'esprit qui nous a un peu manqué vendredi. Ce qui est important aussi, c'est quand vous êtes contre le mur, c'est d'avoir des capacités de réagir. Et on voit que Monceau ici, c'est toujours très difficile de les jouer. Et franchement, c'est une belle victoire pour le groupe parce qu'on n'a rien lâché. Et on a senti aussi une équipe bien appliquée et surtout très concentrée. C'est ce que j'essaie de... J'insiste beaucoup sur l'application et sur l'exécution. Parce qu'on l'a vu, à un moment donné, on n'exécute plus, on n'est plus du tout dans la rigueur offensive. On fait n'importe quoi et on leur donne des transitions. C'est une équipe qui cherche l'erreur d'attaque pour faire une contre-attaque. Donc on a reposé le jeu. Ça, ce que je suis content aussi, c'est que je n'ai pas eu besoin de prendre un temps mort pour le faire. Donc je n'ai pas perdu un temps mort. Et puis on est allé chercher des solutions à l'intérieur avec Raman. Et quelques shots à l'extérieur avec Irina Medvedeva qui nous a sorti les paniers qu'il fallait au bon moment.